C'est vrai, on peut y voir quelques similitudes avec le jeu de pétanque, mais le Bouloupoc, ça ne se joue qu'à Garlesquin et seulement à Mardi Gras. Il y a que les gens de Garlesquin ou qui habitent Garlesquin et qui ont le droit de jouer. Et les femmes n'ont pas le droit. Et c'est comme ça depuis 1656, lorsque le curé de la paroisse a mis au point ce jeu pour pacifier les relations entre ses ouailles. Mais depuis, on se chamaille toujours à Garlesquin. Si, là, le rouge, c'est à nous le rouge. Café Brace. Et ça commence par l'orientation géographique de son habitation. Les façades du nord sont sudistes et les façades du sud sont nordistes. Et ensuite, c'est des quiproquos et des querelles de chapelle pour savoir de quelle équipe on est. Ensuite, eh bien, il faut compter les points, pas simple quand on sait qu'il peut y avoir jusqu'à 100 boules sur le terrain. C'est à nous, ça, déjà. Une. Les deux autres à nous. Ouais. Deux, allez hop, parce qu'on est beaux joueurs. Parce qu'on est beaux joueurs. Ça se joue en deux gagnantes. Ensuite, les bistrotiers jouent pour savoir chez qui on va boire l'apéro. Et ensuite, on dîne tous ensemble. Du doyen des joueurs de Bouloupoc au plus jeune d'entre eux, Geoffrey, initié par son grand-père, est âgé de 12 ans. La relève est donc désormais assurée.